Elle est belle, vous êtes nombreuses à nous demander des renseignements la concernant, évidemment. Elle sort un deuxième extrait de son album qui va faire un carton et qui s'appelle Rescue Me Indra. Okay.
Merci, excuse-moi, je fais le... Je vais peut-être le garder d'ailleurs. Public génial. Ah, il est bon, vous le public. Génial. Hein. I love you. Indra, tu sais que justement, en fait, on sait une chose. De par les demoiselles qui sont là, elles se posent toute une question, c'est est-ce qu'il y a une recette pour être faite comme tu es faite, avoir cette sylphidité? Ah, ah, oui. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Dis-moi. En fait, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Ouais. Il faut manger régulièrement, 3 fois par jour, pas grignoter entre-temps, manger plus possible le matin ou midi, ouais, éviter le soir, et les chocolats et les bonbons, vous pouvez manger. Mais un plus petit tôt peu. Possible. Plus tôt possible. Un tout petit peu seulement, ouais, alors. Excusez-moi, je sais pas, je me balade. Et puis, il faut faire du sport. Alors, le sport, c'est quoi pour toi? Parce que moi, on m'a dit, je me suis laissé dire que pour avoir fait voir ces jambes-là, touche-toi, et ces musclés, pour avoir du béton dans les cuisses, eh, peut y c'est aller. C'est pas ça, hein. Oh. Alors, plus haut. Alors, pour avoir du béton dans les cuisses, il fallait faire de la course à pied, quoi, faire du run, de la course. Oui, il faut courir, mais moi je cours beaucoup, je cours 2 heures, je cours 12 km, 20 km, et ça, tout le monde, ils n'arrivent pas à faire ça. Alors il faut de l'entraînement mais et apprendre. 40 minutes, c'est bon, 40 minutes, marcher ou courir, c'est très bien. Vous avez noté les filles, et après vous ressemblez à Indra. Allez, viens, on va courir. Merci Indra d'être okay, passée. Ok, ciao. Et on y va en pas de course. Yo. Yeah. Nous allons maintenant tout de suite retrouver la candidate numéro 3. Il s'agit de...